Bonjour. Bonjour, il en faut un. Bonjour. Allez, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. 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 Allô. Oui, bonjour. 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 Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marc Spira, qui est ophtalmo. Ophtalmologue, oui. L'ophtalmologiste, merci, cherche un moment, je ne sais pas pourquoi je voulais partir, voilà. C'est des mois que je ne travaille pas, je cherche du travail, je sais pas qu'est-ce que se passe avec moi. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Ah, ça doit être un appel sur la timidité. Voilà. Est-ce que ma réponse vous satisfait ou... Non. Alors, paranoïaque, ça, c'est un problème de psychiatrie. Donc ça se résout uniquement par les médicaments. Et c'est un problème qui est très, très grave. Non, moi, je suis pas comme ça. Mais non, on vous accuse pas d'être paranoïaque. Vous vous inquiétez pas. C'est moi qui emploie des mots excessifs. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons des cacao-tests. Des cacatoès. Cacatoès. Je la regardais, la petite. Pour moi, c'est une fille, elle est rose. Et c'est un mâle. Et c'est un garçon. Ah ben, c'est parce dommage. Que dans la nature, le rose n'est pas que pour les filles. Alors, elle s'appelle comment, elle ou lui? Pardon, Clo-Clo, parce que je suis en pédance. Souvent, on dit que l'oiseau, c'est un symbole phallique. Donc, c'est vrai que les gens qui se méfient des oiseaux, souvent, ils se méfient aussi des garçons et de leurs attributs. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. Then... C'est bien fait. En plus de ça, donc la queue est plus longue aussi chez le mâle, avec une base plus importante pour rentrer le pénis. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Vanda. Très bon, on vous écoute. Ah mais il y a encore un appel, on reviendra encore sur les questions. Allez, bonjour. Merci, au revoir. Allez, on prend un autre appel, bonjour. Bonjour. Oui, comment les chats peuvent-ils manger dès qu'ils ont bien mangé? Alors, on va faire... Je veux dire, je vis dans la souffrance avec cette voisine. Hein. Alors, c'est Eric du 77. Mon mari me manipule continuellement et je n'arrête pas de me rabaisser en public. Que dois-je faire? Barrez-vous. On sait très bien que ma gloire, en tout cas, lui, c'est pas les femmes. Donc, je fais son fils, voilà. Donc, c'est pour demander des enfants, si éventuellement vous pouvez changer dans de famille. Je suis pas hétéronormativement correct. Je suis pas une bimbo blonde avec des froides poitrines. Je suis pas aussi beau. Je ne peux être que d'accord avec vous. Hein. Merci, Manon. Mais tu as une voix magnifique. Manon, elle est là. Tu t'appelles comment? Vous êtes merveilleux. Vous êtes en train de pleurer. Bon, vous avez donc annoncé plein de surprises, pas celles que vous venez de voir précédemment. Un petit peu plus de... Donc, juste pour vous rappeler, pour poser toutes vos questions, pardon, à Vincent McDoum en direct, un seul numéro. Elle est magnifique. Oui, mais arrête de toucher. Mais ça suffit, ça suffit. Mais vous allez voir, j'ai oublié votre prénom, pardonnez-moi. Jessica. Non, c'est Jessica. Cécilia. Jessica. Jessica. J'ai des petites tenues. On va bien rire, voilà. Ensuite, Kevin qui est mort de rire. Remettez-vous, mon enchaîner. Enfant. Donc la course à pied, ma gloire, c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Je ne sais pas faire. On se retrouve après la pub, à tout de suite. À tout de suite. Pub. Générique. David, si tu le veux bien. Qu'appelle-t-on un jack? Un geek. Geek. Un geek, pardon, c'est un geek, c'est quelqu'un, c'est bien au-delà du jeu, c'est quelqu'un qui fait rue de nouvelles technologies. C'est celui qui veut le tout nouveau iPad, le nouveau iPhone. Voilà. C'est grave, docteur. C'est ça. Une peau comme celle-ci, c'est-à-dire une peau claire avec des poils foncés qui sont relativement épais. Voilà, ça c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Oh. Tout va bien, Dorothée? Ah bah oui. L'émission s'est bien passée. Dorothée, c'est 50 minutes d'Insight. Bonjour, Dorothée. Bonjour à tous. On vous aime, Dorothée. J'étais partie vous rechercher, je vous ai trouvé. Ça doit être toujours aussi. C'est pas trop fort, ça va? Très bien. J'aimais bien. Oui. Vive Christophe. Bon, c'est pas grave. C'est la fin.
l'émission. En tout cas, on vous remercie. Elle se venge, on vous remercie. Très bonne journée à vous sur TF1. Merci Christophe. À bientôt. À bientôt.